Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du Wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir mon amie Déborah Cohen-Tenoudji. Bonsoir Déborah. Bonsoir Yardena, bonsoir tout le monde. Merci Déborah d'être avec nous. Ce soir, Déborah, tu vas nous parler de pourquoi les premières années de l'enfant sont-elles fondamentales? Déborah, tu es coach parentale, tu es enseignante, hein, plus de 20 Tout à ans, fait. 25 ans d'enseignante en tant que Ouais, éducation. j'ai enseigné pendant 13 ans et mais par contre, je suis dans l'éducation depuis une vingtaine d'années. Voilà, j'ai Voilà. arrêté d'enseigner maintenant de façon formelle. D'accord. Et tu es aussi auteur du fabuleux livre Wonderful Too. Waouh, Alors, magnifique. attends, avec le flou. Voilà, j'ai écrit ce livre qui s'appelle J'ai 2 ans. Alors, je ne sais pas, avec les paramètres de Zoom, ça fait des flous partout. Et j'ai écrit en effet ce livre il y a 8 mois. Et c'est mon quatrième bébé après mes 3 enfants. Et Bravo. c'est pourquoi aussi je t'ai proposé ce sujet, parce que c'est un sujet de prédilection pour moi, ces premières années. Et donc voilà, on va rentrer dans le détail, mais je ne sais pas si tu voulais terminer la présentation, je t'ai coupé. Te remercier d'être avec nous ce soir. On est très heureuse de te recevoir sur la plateforme du Wellness. C'est la seconde fois. Et je te donne la parole et merci infiniment, Déborah. Bah avec plaisir. Alors, bah bonsoir tout le monde à nouveau. Si j'ai choisi ce sujet, je ne veux pas dire que c'est par hasard, mais quand j'ai écrit mon premier livre, je ne comptais pas du tout l'écrire sur ce sujet. Je devais être beaucoup plus générale sur les 3-10 ans, puisque j'ai quand même une expérience, que ce soit en tant qu'enseignante, en tant que maman. J'ai travaillé aussi beaucoup dans les écoles de façon, on va dire, très informelle, avec les petits, avec les plus grands, jusqu'à 10 ans à peu près. Et finalement, j'ai décidé d'écrire un livre sur la période des 2 ans, parce que c'était la période que j'avais préférée dans la vie de mes enfants. Et pourtant, autour de moi, je n'entendais que terrible two, ils s'opposent, il faut montrer qu'ils commandent, ils sont en train de tester l'autorité des parents. Et moi, je n'avais absolument pas vécu ça. Du coup, comme je commençais à réfléchir un petit peu à ma façon d'avoir élevé mes enfants, qui est loin d'être parfaite, mais je m'étais quand même rendu compte que bah, je n'avais pas du tout vécu cette période comme une période terrible, une période difficile. Et du coup, quand j'ai écrit mon livre, j'ai creusé un petit peu et je me suis rendu compte que oui, d'accord, j'avais compilé des conseils pour mieux gérer cette période et que ça avait beaucoup aidé les parents. Mais je me suis rendu compte dans un deuxième temps d'à quel point cette période était fondamentale dans toute la parentalité. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'à la fin de l'écriture du livre et quand j'ai eu les retours des parents. Alors donc, j'avais envie de vous parler de ces premières années. Alors, on va s'arrêter sur les trois, quatre premières parce que c'est celles, on va dire, qui sont un petit peu délaissées. Ça ne veut pas dire que les parents ne s'en occupent pas, hein, des petits chouchous, mais ça veut dire qu'on les balaye en disant, bon, ça va, c'est un bébé, qu'est-ce qu'il y a? Pipi, caca, il veut manger, voilà, après il grandit, commence à marcher, puis là, entre guillemets, les ennuis commencent, il va un petit peu partout, on ne peut plus le prendre où on veut parce qu'il fait des crises, il commence à parler, mais on ne comprend pas très bien. Et c'est vrai que de cette incompréhension, de ce changement, il va y avoir un moment où les parents vont être déstabilisés. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est que on a une possibilité de vivre ces premières années de façon un peu différente. Et je vais vous expliquer pourquoi elles sont fondamentales pour votre enfant et également pour vous en tant que parents. Tout d'abord, donc bien sûr, vous le savez que le bébé, il a des besoins qui sont plutôt primaires, hein. Bien sûr qu'il a besoin d'affectifs, etc. Mais il a surtout besoin de manger, qu'on lui fasse des petits câlins, qu'on le change, etc. Bien sûr que l'éveil est important, mais en général, on laisse ça un petit peu au second plan, etc. Maintenant, je voudrais quand même attirer l'attention de tout le monde sur quelque chose que je trouve incroyable. C'est que le cerveau des tout-petits en 3 ans, il augmente plus que dans toute la vie d'un être humain. Ça veut dire que ces 3 premières années, on a un développement cérébral qui est incroyable.
Et du coup, bah, ça va générer en 3 ans des changements qui vont être prodigieux, dont on ne se rend pas forcément compte. C'est comme la naissance, hein. La naissance, en fait, c'est un miracle. Mais on a l'impression que oui, bon, bah, y a des naissances tout le temps, donc c'est comme ça. Mais en fait, c'est un miracle, la naissance. Et quand un enfant grandit, quand un grand enfant aussi grandit normalement, bah, c'est également un miracle. Parce qu'il se passe tellement de choses dans son cerveau et dans son corps. Regardez les photos de vos enfants quand ils sont bébés jusqu'à 3 ans. Ça change énormément. Ça change très vite. Quand vous allez voir le fils de votre copine à 2 mois d'intervalle, vous ne le reconnaissez plus. Vous dites, oh là là, mais il a changé. C'est incroyable. Il ne faisait pas ça la dernière fois, etc. Donc, à chaque étape, se développent de nouvelles choses pour votre enfant, pour l'enfant. On va parler de façon générale. Et à nous de bien prendre les choses. Alors, je sais que ce n'est pas évident. Je sais qu'on a des vies de fou. Je sais qu'on est toujours un peu speed avec le travail. Je sais que souvent, on a plusieurs enfants. Et du coup, bah, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de chaque détail. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Moi, ce que je propose, c'est de se dire que notre enfant, il n'est pas là pour nous embêter. C'est peut-être bête à dire, mais parfois, on a l'impression que voilà, il fait des crises pour nous embêter, pour faire son intéressant, etc. Non. Lui, il est là pour appréhender le monde, mais beaucoup à travers la vision qu'on va lui donner. C'est-à-dire que si on est constamment en train de le brimer, si on est constamment en train de souffler parce qu'il touche à tout, parce qu'il veut tout mettre dans la bouche, etc., il va vivre les choses de façon un petit peu, comment dire, introvertie, ou bien au contraire, il va être un petit peu en colère. Et du coup, il va être en permanence en train de voilà, peut-être de faire des crises, etc., pour manifester son mécontentement. Pourquoi? Parce que pour lui, cet enfant de 0 à 3 ans, le monde, c'est un magasin de chocolat pour nous. Ça veut dire qu'il a envie de goûter à tout. Et bah, nous, on dirait des fois, souvent, qu'on est le vigile là. On est devant la porte, on dit non, 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 tu touches pas, tu rentres, mais tu touches à rien. Mais attends, il y a du chocolat partout, il y a des éclairs, il y a des gâteaux, il y a des fondants, moi je veux goûter à tout. Et puis là, tu as le vigile qui dit non, 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 tu touches pas, tu regardes. C'est pas possible. Un enfant, quand il est dans son environnement, il a besoin de toucher pour faire des relations, établir des relations de cause à effet entre les objets, pour comprendre. Comment tu veux comprendre que quand tu fais tomber un objet, il tombe par terre? Enfin, que quand tu lâches un objet, il tombe par terre? Si tu n'as pas expérimenté, les plus grands scientifiques, ils ont fait ça pour comprendre les choses. On est obligé de manipuler. Et un enfant, quand il met dans sa bouche, c'est sa façon d'appréhender les choses autour de lui. Vous remarquerez d'ailleurs, c'est très rigolo, que les petits, d'ailleurs jusqu'à 3 ans en général, les jouets ne les intéressent pas plus que ça. Alors c'est vrai qu'on est un peu dans des sociétés très consommatrices, on aime bien acheter, il y a une profusion de jouer, etc. Mais en réalité, nos enfants, ils aiment quoi? La télécommande, ils aiment le porte-clés de la maison, ils aiment des bouteilles en plastique, ils aiment les objets du quotidien. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation affective, il y a une relation entre les autres membres de la famille et lui. Et quand il prend les clés de la maison, il sait que papa et maman, ils s'en servent. Donc lui, ça l'intéresse. En plus, ça fait du bruit, c'est trop sympa. Puis c'est tout froid. Donc on a envie de le mettre dans la bouche, etc. Mais en général, papa et maman, ils n'ont pas trop envie. Le problème, c'est que, bien sûr, on ne peut pas laisser l'enfant toucher à tout, mais on va devoir trouver un juste milieu. Pourquoi? Parce que n'oublie pas, ton enfant, quand tu as fait un enfant, tu t'es engagé à le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il grandisse. Donc, tu ne peux pas, à chaque fois qu'il a envie de faire son expérience, lui dire, te dire et lui dire, bah non, ce n'est pas possible. Il faut arriver à trouver quand même un équilibre. L'équilibre, c'est assez simple. Quand ils sont petits, jusqu'à 3 ans à peu près, encore une fois, la première chose, c'est la sécurité physique. On met nos enfants en sécurité physique, ça veut dire quoi? Tout ce qui dépasse, tout ce qui est dangereux, tout ce qui est coupant, tout ce qui est aussi très cher à notre cœur. Par exemple, on a une statue ou un cadre qui nous a été offert et qui est important pour nous, on ne va pas le mettre à la portée de l'enfant. Pendant 3 ans, on va le mettre en hauteur. Comme ça, on ne pourra pas dire à l'enfant toutes les 5 minutes, ne touche pas. Si tu mets ta table en verre en plein milieu avec un angle, tu ne peux pas passer ton temps à dire à l'enfant, attention, c'est dangereux, ne touche pas. Je suis désolée, mais c'est à nous de déplacer cette table ou de mettre des petits coins pour ne pas que l'enfant se fasse mal. Parce qu'on ne peut pas vivre avec des interdits permanents.
C'est comme si vous étiez au travail et puis il y avait votre patron qui vous disait tout le temps: non, non, ne touche pas à la photocopieuse, non, non, touche pas à l'ordinateur, non, je peux pas, laisse-moi faire mon travail. Mon travail, c'est d'appréhender un petit peu ce nouvel espace de travail. Et notre enfant, c'est pareil. On ne peut pas lui mettre des interdits permanents. Donc, on va faire attention tout de suite à sa sécurité physique. Et puis, on va peut-être définir deux, trois choses qui sont importantes pour nous. Exemple, moi, personnellement, ça ne me dérange pas que mes enfants, ils sautent sur le canapé. Enfin, ça ne m'a jamais dérangé. Mais il y a des parents, je sais que ça les dérange. Alors, si vraiment c'est très, très, très important pour toi, parce que tu es très maniaque, parce que tu tiens ton canapé, tu peux fixer une ou deux règles comme ça en disant à l'enfant: on ne peut pas sauter sur le canapé. Non, non, non. Le non, 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 ça marche très bien. J'en parle beaucoup dans mon livre. D'ailleurs, je donne plein d'exemples comme ça. Mais on ne peut pas définir des interdits pour chaque chose. On ne peut pas dire: le canapé, c'est interdit. Sauter sur le lit de papa et maman, c'est interdit. Toucher le piano, c'est interdit. Tout ça, on ne peut pas. Donc, il va falloir aussi trouver un équilibre entre tous les interdits et toutes les permissions. Et en général, si on prend un petit peu de recul, c'est ce dont on manque très souvent dans l'éducation, malheureusement, comme je vous le dis, parce qu'on court après le temps. Prenons un peu de recul. Moi, ce que je suggère de faire, c'est, d'ailleurs, ça marche pour n'importe quel âge. Si vous êtes en couple, encore mieux. Faites une petite soirée comme ça et vous dites: OK, les limites, elles ne marchent pas à la maison. Les enfants, ils écoutent rien, on est toujours en train de répéter. Et ça marche aussi très bien, bien sûr, avec les petits. Viens, on note tout ce qu'ils font qu'on n'apprécie pas et tout ce qu'ils auraient le droit de faire. Et on va dire: bon, ça, allez, viens, on laisse. Ils mettent les coudes sur la table. Bon, allez, c'est pas très grave. On passe. Il y a des choses, on est obligé de passer. On n'est pas la police, on n'est pas la police des enfants. Il faut les laisser vivre aussi. Et tout ce qui est important pour vous, vous allez le noter. Les valeurs importantes pour vous. Tout ce que vous voyez qui ne passe pas forcément, vous allez essayer de trouver un moyen pour que ça passe. Par exemple, le respect des parents, le fait qu'un enfant ne doive pas taper. Donc, et ça commence très petit. On ne gronde pas l'enfant parce qu'il tape, mais on va lui, par exemple, on va l'arrêter. On va arrêter son geste fermement. On va lui dire: non, 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 on ne tape pas maman. Et l'enfant, à chaque fois, on va lui répéter la petite rengaine de non, 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 quand il s'agit d'un interdit. Encore une fois, je répète, il ne faudrait pas avoir trop d'interdits. Mais il y a des choses qui sont essentielles. La sécurité physique, on en a parlé. Et le fait de respecter ses parents, de respecter ses frères et sœurs, de ne pas taper les autres, ça aussi, c'est très important. Maintenant, il y a des façons de le faire. Et comme je vous le dis, on va essayer toujours de trouver un ton adapté à l'enfant. Alors, les premières années des enfants, elles sont fondamentales aussi parce qu'ils ont des besoins émotionnels qui vont grandissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, ils ont un cerveau qui est très immature. Ils ont une première maturité vers 5-7 ans. Et du coup, le cerveau, dès qu'il est dans le cerveau de l'enfant, dès qu'il est dans une situation qu'il ne maîtrise pas, il y a beaucoup de consignes, il y a beaucoup d'interdits. On lui a dit non à quelque chose et lui, il voulait continuer. Il ne comprend pas, il n'arrive pas à se faire comprendre. Son cerveau, il va se mettre en rouge. Et d'ailleurs, son visage aussi, il va se mettre en rouge. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il ne contrôle plus rien. Et nous, parents, on entend les psys qui nous disent: ah, il est en train de te tester, il faut que tu lui montres qui commence. En réalité, cet enfant, il ne contrôle même pas cette crise. Il n'est pas du tout en train de nous tester. Il est en train de nous dire: papa, maman, mon cerveau est immature, mais je n'ai pas les mots pour te le dire et je ne sais pas comment faire pour m'arrêter dans cette crise. Donc, j'ai besoin de toi. Donc, viens m'aider, s'il te plaît. C'est ça que signifie une crise chez un petit. Et nous, on croit qu'ils sont en train de nous tester et de mettre en cause notre autorité. Pas du tout, je peux vous l'affirmer, sinon je n'aurais pas écrit un livre dessus. Quand on prend un enfant par le rapport de force, et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important dès tout petit, quand on prend un enfant par le rapport de force, ce sont des rapports qui vont aller grandissant. C'est-à-dire que plus il va grandir, plus les rapports de force vont continuer. Et plus ils vont être compliqués. Et quand votre enfant va être en âge de vous répondre, peut-être de vous insulter, peut-être de vous frapper, c'est-à-dire pas forcément vous frapper, mais d'avoir une supériorité physique, vous ne saurez plus comment retrouver une relation de confiance, un lien et une relation de respect mutuel. Quand on commence dès petit par comprendre cet enfant, l'écouter quand il fait une crise, lui dire: je comprends,
C'est dur pour toi parce qu'on doit partir de chez ton copain et tu avais encore envie de jouer. Je suis désolée, mais on doit quand même partir. Et à ce moment-là, on le prend dans les bras et on lui montre qu'on a compris. Tout de suite, il s'apaise. Tout de suite, il se dit, ah ok, c'est légitime ce que je ressens. On ne m'a pas grondé, on ne m'a pas puni. Parce que j'ai entendu aussi beaucoup de pédopsies qui disaient qu'à partir de 18 mois, 2 ans, on pouvait punir les enfants en le mettant dans un coin. Ça c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire. C'est terrible pour un enfant. Il est dans un état où il est complètement démuni. Donc on ne peut pas encore plus le mettre de côté et lui dire et l'humilier. Parce que lui ne comprend pas ce qui se passe. Pour moi, j'ai toujours une phrase toute bête, mais c'est que la réalité de chacun, elle est réelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier une réalité. Le ressenti de quelqu'un, il existe. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, oh, arrête d'être en... Oh, pourquoi tu es en colère? La personne est en colère parce qu'elle est en colère, c'est tout. C'est sa représentation à ce moment-là. Donc on ne peut pas dire à un enfant, tu as été en colère, t'as pas géré la situation, bah, tu vas dans ta chambre, t'es puni. C'est pas possible, surtout avec un tout petit. Donc ils ont ces besoins émotionnels et ils ont besoin d'une relation entière avec les parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des parents, je sais que, on va dire, c'est très exigeant, ça demande beaucoup de temps. Mais je vous promets que si vous commencez dès petit cette relation de respect mutuel avec votre enfant, ce sera de plus en plus facile. Ce sera de plus en plus facile parce que vous aurez vraiment créé les bases. Vous le savez, hein, je vois qu'il y a beaucoup de mamans. Vous savez, le bébé, dès qu'il naît, il comprend tout, il ressent tout. Il ressent quand la maman, elle n'est pas bien, il ressent quand la maman, elle est bien, il ressent quand il y a un problème dans la famille, il ressent quand l'amour est très fort dans la famille aussi. Et bien sûr, on a le droit aussi d'avoir des hauts et des bas, hein, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que commencer l'éducation de nos enfants en se disant, OK, je me mets à sa place, j'essaie de comprendre ce qu'il vit et je fais en sorte que, eh bien, qu'il soit, qu'il se sente compris, qu'il sente que ses besoins sont légitimes, ça change complètement la dynamique familiale. Vraiment. Donc, je vous encourage à observer déjà. Observez vos petits, observez quels sont vos besoins. Vous savez, les besoins des petits ne sont pas énormes non plus, hein. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de toucher, d'appréhender, ils ont besoin d'une relation avec le parent. J'en profite pour faire un petit écart par rapport à la multiplication, voire l'omniprésence des écrans aujourd'hui, surtout quand les enfants sont petits. Les enfants, ils ont un cerveau. Qui est à l'état de maturation. Il est très flexible. Donc, c'est pour ça aussi que c'est super, parce qu'ils peuvent apprendre plein de langues en même temps, parce qu'ils changent énormément. Mais par contre, ils ont besoin de rapports authentiques avec un adulte, avec un enfant, avec le réel. Donc, on ne peut pas passer son temps à les mettre devant des écrans, à se dire, oui, bon, ça va, 10 minutes de trajet en voiture. Nous, à l'époque, moi à l'époque, je faisais 10 minutes en trajet en voiture, je regardais les autres voitures qui passaient et il n'y avait pas de problème. On n'a pas besoin de passer son temps à mettre des écrans aux petits. Moi, j'en vois beaucoup dans la rue, dans la poussette. Un enfant dans une poussette, il faut qu'il regarde le monde, il faut qu'il regarde les oiseaux, il faut qu'il voit que son papa ou sa maman est derrière en train de le pousser. Mais faites attention parce que avant 6 ans, le cerveau est vraiment en train d'apprendre plein de choses et de se construire dans une réalité. Et ce qu'on voit sur les écrans, c'est plat, ce n'est pas la réalité, il n'y a pas d'interaction possible. Maintenant, de plus en plus, les dessins animés sont faits avec les intelligences artificielles, c'est assez plat. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne mets pas mes enfants, mon petit devant Pat' Patrouille, etc., parce qu'il aime bien. Mais faisons attention aussi à ce que nos enfants soit imprégné de réalité le plus souvent possible, surtout quand ils sont petits. Moi, c'était une petite parenthèse, mais elle me paraissait aussi très importante. Donc, notre enfant, il est en proie à de nombreux bouleversements et il y a aussi des bouleversements physiques, puisque au début, il était tout petit, maintenant, il va grandir et c'est vrai que bah, quand il commence à marcher, c'est un peu compliqué pour nous, parents, parce qu'on ne peut plus le poser là où on voulait. Parce que bah, finalement, là, bah, il marche, il court partout. Voilà, dans la rue, il nous échappe, etc. Alors,
On a dit la sécurité physique était super importante. Quand on sait que nos enfants sont petits, qu'ils ne sont pas capables de marcher à côté de nous et que c'est dangereux, il faut les mettre dans une poussette. C'est tout. Pour éviter un accident, pour éviter de leur courir derrière, etc., que ce soit dangereux, il ne faut pas se mettre dans des situations en se disant oui, mais moi je veux absolument que mon enfant marche et qu'il soit libre. Ok, mais fais-le dans un parc, fais-le dans un endroit où ce n'est pas dangereux. Donc cette motricité globale qui est en train de progresser à vue d'œil pendant ces 3 ans, il faut l'accompagner. Ça veut dire que, eh bien, il faut laisser un peu d'espace à notre enfant, il faut lui laisser se promener aussi dans la maison, il faut lui laisser un minimum d'autonomie, que dans sa chambre, il puisse circuler librement. On essaye aussi de ne pas mettre une tonne de jouets pour ne pas que l'enfant il soit en surexcitation, en surstimulation. Comme je l'ai dit au début, il n'a pas besoin de beaucoup de jouets, donc on peut rester sur quelque chose de très épuré. Avec quelques jouets, des fois on peut changer des petits jouets de temps en temps tous les 3 mois, mais jusqu'à 3 ans, voilà, on n'a pas besoin d'avoir une accumulation dans sa chambre. Et l'enfant, il devrait pouvoir être libre d'aller dans différentes pièces. Bien sûr, on a toujours besoin de le surveiller. Vous connaissez la phrase qui dit que le silence d'un enfant, il est souvent suspect, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qui magouille, mais on peut le regarder de loin. Moi, j'encourage énormément l'autonomie des petits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vos enfants sont petits, je suis sûre que vous avez déjà remarqué, ils aiment nous aider à mettre la table, apporter les fourchettes à table. Ils aiment, par exemple, je ne sais pas, moi, vous leur donnez un plat, vous pouvez leur apprendre à se servir tout seul. Ça, c'est vraiment quelque chose que les tout petits adorent faire. Il suffit de leur montrer comment utiliser la grande cuillère. Ils savent se servir, par exemple, pour se servir de la purée, c'est assez facile. Se servir voilà une assiette de concombre. Vous pouvez les aider leur proposer par contre pardon de vous aider à éplucher une banane, à couper une banane avec un petit couteau. Vous savez, plein de couteaux même d'adultes qui n'ont pas des dents qui sont très très coupantes. Vous pouvez leur proposer de faire ça. Vous pouvez leur proposer d'essuyer les vitres. Ils adorent essuyer les vitres. Vous leur donnez un petit sopalin avec un petit pchit ou s'ils n'ont pas encore la motricité fine très développée, juste vous humidifiez un petit chiffon et vous leur faites un petit peu essuyer un miroir ou essuyer les vitres, etc. Ils adorent aider et leur proposer toutes ces activités-là, ça va développer la motricité fine. La motricité fine, c'est quoi? Ce sont les petits muscles des doigts et c'est ce qui va faire que votre enfant, après, il sera apte à bien attraper son stylo, son crayon quand il commencera à rentrer dans la lecture, pardon, dans l'écriture. Donc, même si on n'en est pas là, la motricité fine, elle est super importante pour les petits parce que plus ils sont capables de faire des choses, plus ils se sentent confiants en eux, plus ils se sentent confiants en eux, moins on a besoin d'eux parce qu'ils sont de plus en plus autonomes. Et moi, je vous donne un exemple très, très simple. Moi, quand mes enfants étaient petits, à chaque fois, ils me suivaient à quatre pattes, voilà, quand je faisais des choses. Et des fois, c'était des choses qui n'étaient pas forcément adaptées à eux. Eh bien, par exemple, je suis en train de faire la cuisine et que c'est des cuissons, etc. Je vais les mettre soit sur la chaise haute, soit par terre à côté de moi, dans un endroit qui n'est pas dangereux. Je vais leur donner des casseroles, je vais leur donner des tupperwares à ouvrir, à fermer. Je vais leur mettre une petite cuillère dans des boîtes et puis ils vont s'amuser à ouvrir, à fermer. Je vais leur donner des paquets de pâtes. Et puis ils vont taper dessus, ou je vais leur donner des spaghettis. J'aimais bien faire ça, je leur donnais des spaghettis, et puis ils les mettaient dans les petits trous, vous savez, de la passoire, ou bien ils s'amusaient à casser les spaghettis. Donc c'est des petites choses qui sont toutes bêtes. Après, bien sûr, on peut se servir des pâtes hein, pour le repas. Ce sont des choses qui sont toutes bêtes, mais c'est tout un état d'esprit. Est-ce que j'ai l'impression, et je donne l'impression à mon enfant qu'il m'envahit, qu'il me dérange, ou est-ce que je comprends que ces années sont importantes pour lui? Et j'ai envie finalement de vivre des moments avec lui qui sont, bah, qui, bon, moi, c'est des moments qui m'ont marqué à vie parce que bah, c'est aussi une période où il commence les petits mots, il commence les petites maladresses comme ça qui sont tellement adorables et c'est un âge qui passe vite finalement. Les 3 premières années de l'enfant, si vous avez parmi vous des grands-enfants ou voilà, ou essayez de vous rappeler des premières années, c'est difficile, ça passe tellement vite, il y a tellement de choses. Donc moi, je conseille vraiment de profiter pleinement de cette période pour observer notre enfant, bien sûr, mais aussi pour créer une relation de qualité avec eux. Et je peux vous dire que si vous appréhendez votre enfant différemment,
eh bien, ça va changer la dynamique familiale. Moi, il y a une expression que j'ai inventée, Yardena en a parlé tout à l'heure, j'ai appelé cette période le Wonderful Two, en opposition avec le Terrible Two. Pourquoi? Parce que Wonderful, bien sûr, ça vient de l'émerveillement, de la merveille en anglais. Et moi, j'ai vécu cette période comme un émerveillement permanent, mais c'était à l'image que ce que vivait mon enfant. Mon enfant, il s'est émerveillé de tout. Un enfant voulait passer un stylo qui fait clic-clic, oh, il s'émerveille. Moi, je trouve que c'est génial parce que bah, vous êtes dans la salle d'attente, vous pouvez lui donner ce petit stylo, il est content. Et puis, chaque chose pour lui, c'est une découverte. On regarde, voilà, il y a des feuilles qui perdent, les arbres qui perdent des feuilles. On prend une feuille, on la touche, on la sent. Ah, elle, ça sent rien. Oh, regarde, il y en a une qui est verte, une qui est orange. On voit qu'elle est froide. Et puis, on voit qu'en hiver, eh bien, les feuilles, elles sont toutes sèches. Tout ça, c'est des émerveillements pour les enfants. Ils apprennent énormément de choses. Ils comprennent beaucoup de choses. Et même si le vocabulaire, pour l'instant, il n'est pas forcément encore consolidé, eh bien, tout ça, c'est dans sa petite boîte, dans des petites cases où il y a du vocabulaire, il y a toutes les expériences qu'il a vécues. Et toutes ces expériences authentiques, elles vont revenir quand il va avoir le déclic du langage. Donc, voilà, moi, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Si vous êtes parents, vous êtes grands-parents, si vous gardez des petits, si vous êtes voilà, éducateur de jeunes enfants ou quoi, je ne sais pas. Mais gardez dans cette idée de Wonderful Two, cette idée d'émerveillement, cette idée que cet enfant, il est en train de découvrir ce que vous avez bien sûr déjà découvert, mais vous, à l'époque, bah, vous étiez dans le même état. Vous êtes arrivé sur Terre, vous avez découvert le monde et vous avez beaucoup vécu le monde à travers le regard de vos parents, à travers ce que vos parents vous ont laissé en voir aussi. Donc, bien sûr, on leur met un cadre, on leur met des limites, mais on en met très peu. Et si on est très clair sur ces limites, même si elles sont peu nombreuses, mais qu'elles sont très claires, eh bien l'enfant, il comprend et il les intègre complètement. Moi, quand j'étais enseignante, par exemple, au début de l'année, bah, on parlait avec les élèves des règles de vie de la classe. Elles sont indispensables, tout comme le code de la route. On en parlait ensemble, on les affichait. Bien sûr que des fois, il y a des enfants qui respectaient pas les règles, mais je leur disais, regarde, c'est écrit. Et à la maison, c'est pareil. Les règles, même si elles ne sont pas écrites, elles existent, elles sont tacites, on en a déjà parlé. Et l'enfant, on leur dit, regarde mon chéri, tu sais bien qu'on n'a pas le droit de toucher ce tiroir parce que c'est dangereux. Bah oui, parce qu'il y a les couteaux. Et qu'est-ce que ça fait un couteau? Ça coupe. Ça, c'est beaucoup mieux que, attention, tu touches pas, tu vas te faire mal, parce que l'enfant, pour lui, c'est violent. Il suffit de lui expliquer, il comprend. Et bien sûr, lui répéter les choses, et il comprend très bien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Le rapport de force, c'est le fait que l'adulte se sente, je ne vais pas dire tout puissant, mais considère que son autorité, elle suffise à faire de lui le maître du foyer, tout le temps. Mais c'est à mon sens, une vision de la réalité qui n'est pas authentique, parce que on fait un enfant pour l'élever. On ne fait pas un enfant pour le contrôler. On ne fait pas un enfant pour le gronder, le punir et lui montrer qu'on est le plus fort. Il s'en fiche, l'enfant. Il sait que tu es le plus fort. Déjà, il voit que tu es beaucoup plus grand, tu es beaucoup plus fort physiquement. Il voit que quand tu pousses un petit peu ta voix, bah, ça lui fait peur. Donc, il ne remet pas en question ton autorité. Mais il a envie de savoir, bah, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Ah, ok, quand on traverse la rue, il faut donner la main parce que c'est dangereux. Ah oui, j'avais pas pensé que les voitures, elles pouvaient nous écraser. Papa et maman, vous êtes là pour ça, pour me dire que je dois donner la main parce que c'est dangereux. Papa et maman, vous êtes là pour me dire que je ne peux pas mettre des tout petits objets dans ma bouche parce que je vais m'étouffer. Alors d'ailleurs, j'ai une technique pour justement gérer tout ce qui est mis dans la bouche, que j'en parle aussi dans mon livre. Donc, les parents sont là pour accompagner l'enfant, pour leur mettre un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, c'est le cadre qu'on contrôle, c'est pas l'enfant. À l'intérieur de ce cadre, l'enfant doit se sentir libre d'évoluer, libre de grandir. Et voilà. Pour moi, c'est une période extraordinaire. Encore une fois, il ne reviendra pas. Alors après, on peut faire aussi plein d'autres enfants derrière, hein.
Mais c'est vraiment une période qui est fondamentale dans la construction de la personnalité de l'enfant. Aujourd'hui, bah, regardez un petit peu sur Internet, sur YouTube, il doit y avoir pas mal de vidéos et même d'articles sur les neurosciences, sur les découvertes en neurosciences. Vous allez voir que bah, on a remarqué que quand on motive les enfants, même petits, quand on valorise tout ce qui est encouragement, tout ce qui est positif. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'éducation positive, des fois c'est peut-être un peu trop. Tout ce qu'on veut, c'est juste ne pas casser l'enfant. Voilà, tout simplement. Se dire qu'on ne le casse pas. On n'est pas obligé d'en faire des tonnes. Il ne faut pas, parce qu'il faut être authentique. On ne va pas mentir à nos enfants pour leur dire qu'ils sont extraordinaires. Non. Mais chaque petit effort qu'il fait, on le motive. Et chaque petite bêtise qu'il fait, eh bien, on le reprend gentiment. Et l'enfant comprend. Il n'est pas là pour nous embêter. C'est vrai que je répète ça souvent. Parce que parfois, on a l'impression que nos enfants, ils sont là pour nous embêter. Ils prennent de la place, ils crient, etc. Non. Ils sont juste là pour découvrir le monde et ils ne savent pas que bah, qu'ils peuvent pas manger à n'importe quelle heure, qu'ils ne peuvent pas aller dans le frigo pour manger du gâteau au chocolat. Ils ne savent pas tout ça, il faut le leur apprendre. Et puis quand on a réussi à trouver un ton, eh bien, même si de temps en temps on crie, moi ça m'arrive de m'énerver, de crier des fois sur mes enfants, je m'excuse tout de suite et je prends aussi du recul. J'ai bientôt terminé la conférence. Je prends du recul. Quand je sens que mon énergie, elle me manque, que mon énergie, elle est pas très bonne, il y a des jours où je peux faire quelque chose par rapport à cette énergie. Je peux me reposer, je peux voir une copine, je peux avoir peut-être besoin d'un moment de couple. Puis il y a des moments, bah, je suis fatiguée, j'en ai un peu marre, entre guillemets. Donc je vais écourter. C'est pas grave si on est courte aussi des fois à la soirée parce qu'on est fatigué, si on donne le relais à un autre parent. Mais savoir s'arrêter quand on sent qu'on va être dans une relation de violence verbale, de rapport de force avec notre enfant. On ne peut pas passer sa vie à dire mets ton pyjama, range ta chambre. Déjà toute la journée, les enfants, ils entendent beaucoup d'injonctions, même s'ils sont à la crèche, etc. Voilà, pour moi, la relation la plus forte, l'une des relations la plus forte, allez, il y en a d'autres quand même, c'est celle d'avec nos enfants. Donc, je nous encourage en tout cas à prendre du recul pour que ces années se passent bah, les plus merveilleusement possibles. Voilà, tout simplement. Magnifique, Déborah, merci beaucoup. C'est très riche et très en fait naturel ce que tu dis, mais est-ce qu'on pourrait donner la parole aux participantes Bien sûr. pour qu'elles puissent te poser des questions en direct? Alors, je demande à tout le monde de réactiver les micros. Voilà. Alors, peut-être que les participantes souhaitent poser des questions. En attendant, j'aimerais rebondir, Déborah. Tu as dit donc bon, on sait que ce sont les 6 premières années qui sont cruciales pour le développement de l'enfant. Alors, qu'est-ce que tu préconises qui pourrait aider les enfants à l'éveil? À l'éveil, qu'est-ce que tu proposes pour que l'enfant soit bien éveillé? Quelles Alors, activités ou quels sont les domaines d'apprentissage qu'on pourrait mettre en avant? moi, je suis aussi formée à la pédagogie Montessori parce que j'ai été complètement transformée, ou plutôt j'ai reconnu beaucoup dans son approche quelque chose que je faisais de façon intuitive, bien sûr, très modestement parce que je n'ai pas du tout fait le travail qu'elle a accompli. Mais ce que j'apprécie beaucoup dans cette pédagogie et que moi, j'utilise beaucoup au quotidien et que j'encourage les parents à faire, c'est de prendre ce que vous avez autour de vous, que ce soit les objets du quotidien ou que ce soit l'environnement extérieur. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est l'hiver, on voit les changements qui s'opèrent. En hiver, on peut proposer à l'enfant de toucher, d'expérimenter. La sensorialité, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, si tu me demandes quelque chose, la sensorialité, de toucher les arbres, de toucher l'écorce des arbres, de leur montrer que c'est rugueux et leur montrer que la feuille, c'est lisse. Du coup, on enrichit leur vocabulaire. Leur sensation, en fait, quand un enfant apprend à travers les cinq sens, bah, c'est pareil pour nous, hein. Quand tu fais un atelier de cuisine indienne, tu comprends beaucoup mieux que si tu regardes une recette dans ton livre. Quand tu as expérimenté par le toucher, par les odeurs, par les sens, etc., eh bien, l'enfant, il apprend. Et c'est pour ça que en maternelle, il y a une grande richesse. Souvent, quand les maîtresses, elles ont voilà, du matériel à disposition, elles laissent les enfants en petits ateliers. Et malheureusement, bah, souvent, quand on arrive en primaire, on perd un peu ça parce que bah, voilà, c'est très frontal, etc.
Mais cette manipulation, d'ailleurs, même si vous avez des plus grands, moi, c'est ce que je fais quand mes enfants n'ont pas forcément compris une notion, même dans les classes de primaire, bah, je vais leur expliquer en manipulant, par exemple, des concepts mathématiques. Tu vas leur montrer, voilà, s'ils sont en train de faire les multiplications, bah, ils comprennent plus très bien ce que c'est que 2 fois 3. Tu vois le pack d'eau, tu dis, ah, regarde, tu as 2 fois 3, ça fait combien? Et l'enfant, il voit, il peut compter, il peut manipuler. Donc, moi, j'encourage. On peut acheter des jeux. Alors, bon, moi, je suis fan de la marque Nathan parce que je trouve qu'ils ont vraiment de très bons produits. Il n'y a pas longtemps, encore en train de regarder sur Amazon quelques petites choses parce que parfois, on me demande, si vous me suivez sur Instagram, Déborah Cohen-Tenougi, on me demande parfois des petits conseils sur des jouets. Je regardais, c'est vrai que la marque Nathan, ils ont des choses de très bonne qualité, très souvent très abordables. Donc, ça, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup, moi, par exemple, la marque VTech, qui sont des objets très connectés, plein d'écrans, de bruit, tout ça sonore, qui sont c'est très artificiel comme jeu, et l'enfant peut carrément s'en passer, et les parents aussi, ça fait mal à la tête. Mais le mieux, c'est, voilà, tu prends une boîte avec tu mets des différents tissus. Tu mets une éponge qui gratte, tu mets un petit doudou très doux, une boule de coton, une pelote de laine. Voilà, et bah, ton enfant, voilà, tu lui mets des petites boîtes comme ça fermées, puis il a une boîte comme ça, et puis il touche, et toi tu peux l'aider à sentir, à dire, ah, est-ce que tu aimes bien? Ah non, j'aime pas, ça pique. Ou bien le doudou, il va aimer, et puis tu fais une autre boîte, et puis tu vas lui mettre une petite salière comme ça, fermée, plein d'objets comme ça qui font du bruit, un petit trousseau de clés. Il va avoir une petite boîte comme ça avec des sons. Et ça, des petits jusqu'à 3 ans, les enfants adorent ça. Tu peux faire pareil avec les odeurs, avec un citron, avec ton nom, avec l'ongle, quand on appuie sur le citron, on sent fort, avec de la menthe, avec de la cannelle, des odeurs comme ça. Ça, pour moi, ce sont les meilleurs jouets pour les enfants. Ça coûte rien, Vraiment. c'est facile. Tu as tout à fait raison. Y a-t-il une participante qui souhaite poser une question? Sinon, je te demanderai une autre question, si tu le permets, Bien Déborah. sûr. Si je te demande, quelles sont les ou bien deux erreurs à ne pas faire? Est-ce que tu pourrais nous dire, nous partager vraiment des erreurs tu nous as parlé de ne pas punir, bien sûr, des choses dans ta conférence. Est-ce que tu pourrais nous rajouter vraiment des erreurs? Et si tu aurais, bien sûr, ton livre que tu vas nous remontrer, et si tu aurais un autre livre à nous conseiller? Alors, moi, en effet, la punition, pour moi, c'est quelque chose qui m'est rédhibitoire, mais même à tous les âges, je pense que ce n'est pas du tout nécessaire. Gronder non plus. Pour moi, gronder, ça doit être vraiment laissé pour des cas de danger immédiat. Voilà, l'enfant, il a touché le four, on gronde pour qu'il ait peur, justement, pour qu'il ne recommence pas. Ça, je pense que c'est tout à fait compréhensible et acceptable. Gronder à tout bout de champ, moi je proscris aussi parce que du coup l'enfant ne comprend pas, ne comprend pas au quotidien quand on gronde pour des choses qui ne sont pas si importantes. Ah quoi, tu as pris le jouet des mains de ton frère? Bon, c'est pas très grave non plus. Il ne comprend pas quand c'est grave. Je ne sais pas si tu attendais à cette réponse. Je suis obligée de parler quand même de la violence verbale. La violence, pardon, physique, à savoir frapper les enfants, mettre des fessées, mettre des claques, pousser un enfant, l'attraper violemment, tout ça, ça peut-être paraître évident pour certains et pour d'autres non, parce qu'on a aussi grandi dans des modèles où on pouvait nous violenter, ça posait pas franchement de problème. On ne frappe pas un enfant, on ne violente pas un enfant, on n'insulte pas un enfant. Donc ça, pour moi, c'est complètement proscrit. À n'importe quel âge, mais même quand ils sont petits, on ne la met pas pampan cucu, voilà, non, ça, c'est pas quelque chose qu'on fait. Et puis, oui, pardon. Merci beaucoup, tu as bien fait de nous en parler. Oui, c'est important. Et puis, je le dis aussi aux mamans pour qu'elles le disent aux papas. Parce que les papas, je ne dis pas que les papas frappent, mais ils sont dans des rapports qui sont aussi un peu plus comme ça. Frontaux. Donc, c'est important de dire que les émotions, elles existent, c'est-à-dire que ça laisse des traces, hein, tout ça, forcément. Ensuite, proscrire aussi les cris permanents. Hein. Quand je disais crier de temps en temps, c'est pas très grave.
Parce que l'enfant, il est en maturation cérébrale, comme on l'a dit, et que les cris, ça inhibe complètement les zones cérébrales de rationnel. Et du coup, l'enfant, il est paralysé. Il est paralysé, il n'entend pas ce que tu dis à ce moment-là. Quand tu cries, pour lui, c'est une violence très forte. Il la ressent dans son corps, dans son cœur. Mais il est paralysé, il ne sait pas ce que tu attends de lui à ce moment-là. Et donc, ça crée en lui des schémas négatifs, des schémas aussi qui peuvent se transmettre plus tard, puisqu'il va comprendre que son moyen de communication, eh bien, le moyen de communication de la famille, c'est le cri. Donc il se dit, bah moi aussi, alors il faut que je crie pour communiquer. Donc à plein, plein de niveaux, voilà, ce sont des choses comme ça. Je ne sais pas si tu t'attendais à quelque chose de plus Non, concret, mais pour moi, excellent. c'est les bases, en fait. Après, le reste, on va dire qu'on ne peut pas vraiment faire d'erreur au niveau de l'éveil, au niveau du langage, etc. Un enfant finit par comprendre, apprendre, parler, marcher. Donc en général, les parents s'en sortent toujours bien. Mais tout ce qui est blessure, voilà, émotionnelle, blessure physique, on le voit souvent. Hein, maintenant, on parle beaucoup des émotions. On voit très souvent tout ça, ça revient à la période de l'enfance. Excellente réponse, vraiment, Déborah. Merci infiniment. Et j'ai reçu une question, si ça te dérange pas, je veux pas Bien te sûr, pas de retarder. problème. Je sais qu'il est tard pour toi déjà, on a Non, non, commencé. mais il n'y a pas de souci. Moi, je suis une couche tard. Hein. Merci, Déborah. Alors, voilà, il y a quelqu'un qui demande quand l'autre parent en face n'a pas la même approche bienveillante, parce que tu nous as vraiment décrit une approche très bienveillante et avec une structure et une règle, c'est-à-dire que pour lui, une claque sur la main, ce n'est pas grave. Alors, comment tu fais? Voilà, c'est la question d'une participante. Comment tu réagis quand tu n'as pas la même philosophie avec ton mari? Alors, déjà, je peux conseiller, puisque tu m'as proposé de le remontrer, de faire lire à votre mari mon livre. Pourquoi? Parce que j'essaye vraiment de parler aux parents sans aucun jugement. Je sais qu'on vient tous de quelque part. Je sais qu'on n'a pas toujours la possibilité soit de se remettre en question, soit de comprendre pourquoi il y a une autre façon de faire qui est peut-être optimum pour notre enfant. Je pense quand même que la complémentarité, elle est nécessaire, d'ailleurs chez l'homme et la femme, mais aussi en éducation. Donc pour moi, tous les modèles parentaux ne sont pas à jeter. Je pense que si il y a un parent qui est plus ferme qu'un autre, c'est bien aussi, parce que l'enfant, il peut être aussi rassuré par un parent et retrouver un côté plus affectif avec l'autre. Bien sûr, il faudrait quand même qu'il y ait les deux chez les deux, mais on peut avoir un parent qui est un peu plus dur, etc., pourvu que il y ait une communication possible avec ce parent, c'est-à-dire que notre enfant, il doit pouvoir tout nous dire. Moi, je pars de ce postulat, surtout quand ils sont petits. Si quand ton enfant est petit, à 6 ans, il a tapé un copain ou il a fait une grosse bêtise et qu'il vient te voir et que tu lui dis « c'est inadmissible, t'es puni », etc., il va avoir du mal à te dire quand il sera plus grand, quand il aura fait des plus grosses bêtises, parce qu'il se sentira toujours jugé. Donc, pourquoi je dis ça? Ça veut dire que on peut avoir un parent cadrant, on va dire plus sévère, mais il faut que ce parent soit aussi ouvert à la communication, ouvert à l'affection, qu'il ait forcément des moments de tendresse avec l'enfant. Ça peut pas être que du jugement et c'est pas assez bien, etc. Il faut que ce parent-là, voilà, puisse aussi montrer à l'enfant que la communication est possible. À l'autre inverse, on peut avoir un parent qui est très, je vais pas dire laxiste, mais qui est très souple. Ouais, bon, ça va, elle a tapé sa sœur. Ouais, bon, ça va. Qui ne va jamais rebondir, au contraire. Il faut quand même que ce parent-là montre un minimum de cadre à l'enfant, parce que sinon, il peut le mettre en danger. En danger sécuritaire et en danger affectif. Un enfant qui pense que tout lui est permis. Moi, je me rappelle d'un enfant quand j'étais en classe de CP, et à un moment, on parlait de Dieu, c'était dans une école juive, et il a dit, mais je suis Dieu. Et d'ailleurs, tous les autres enfants regardaient comme ça, et en fait, on sentait que derrière, il manquait d'un cadre, il manquait de limites, et cet enfant manquait tellement de ce cadre. Alors, je ne l'ai pas jugé ni rien, j'en ai parlé bien sûr aux parents, que lui, bah, il pensait qu'il était tout puissant.
Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de trouver un équilibre. Parfois, ça se trouve chez un parent, l'équilibre. Parfois, ça se trouve chez deux parents. Et je me permets de terminer. Ce qui est important chez les parents, même s'ils sont très différents, c'est qu'ils arrivent à communiquer ensemble et trouver des compromis. Un compromis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maman, elle a dit, OK, il peut aller, je sais pas, il peut sortir chez son copain et le papa, il ne veut pas. OK, on va trouver un compromis. Peut-être qu'il va rester qu'une heure. On ne va pas devant l'enfant se disputer et dire non, j'ai dit ça, etc. C'est moi qui ai raison. Les parents se mettent de côté, ils discutent ensemble. Bon, ok. Cette fois-ci, comme papa, comme maman t'a dit oui, c'est d'accord. Mais la prochaine fois, on avait dit qu'on ne sortait plus, etc. Voilà, on trouve des compromis ensemble. Il faut se dire que les parents, c'est une équipe. On n'est pas l'un contre l'autre en train de montrer qui est le plus fort. On est une équipe. On est les chefs d'entreprise de notre PME et nos employés mignons, c'est les petits-enfants. Et ils sont là, on est là pour leur apprendre, c'est des petits stagiaires, on est là pour leur apprendre le métier d'être humain, voilà, d'enfant. Et on n'est pas là pour tout le temps voilà, montrer que on sait tout, etc. Merci infiniment, Déborah. C'était une excellente conférence avec beaucoup de voilà. Tu as des remerciements dans le chat de ta conférence excellente. Merci beaucoup Et à bah toutes les avec plaisir, ça participants. m'a fait très plaisir de participer à cette conférence. N'hésitez pas à me